c'est Sen. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul de chez Scrap Nini. Alors, petite boutique que je vous recommande vraiment chaleureusement. Elle fait tout elle-même, c'est Fanny. Elle a de bons prix, honnêtement, assez bien. Elle vend les pâtes que je vous avais présentées lors d'une vidéo la fois passée. Ce sont les matte wax et les metallic wax de chez Art Alchemy. J'ai pris deux couleurs, voilà. Donc, la white gold et la patina blue. J'ai repris de la modeling paste puisque le pot distress est un petit format et que je sais que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Donc, j'ai repris. J'ai pris des flocons de mica dorés. Donc, feuilles d'or. Voilà. Je vous montre l'emballage. Ça, c'est petit cadeau. Donc, c'est une petite feuille de die cut hein, à découper. Très jolie. Derrière, il y a une petite aquarelle. Et ceci, et j'ai vraiment plaisir à vous la présenter, c'est la box. Elle a décidé de se mettre à la box. Donc, la box coûte 25 euros. C'est une box mensuelle. Voilà, elle est superbe. Donc, il y a dans la couverture, enfin, dans le couvercle box de février 2021. Et elle indique tout ce qu'il y a. Il y a 5 tutos. Donc, sur la page Facebook dédiée. Alors, le petit mot « Thank you » pour votre commande, donc for your order, pour votre commande. Moi, je trouve ça super sympa. Alors, on va la découvrir ensemble. Hein. Vous voyez, je n'ai pas fait la curieuse. On peut voir qu'il y a un bloc à 4. C'est marqué, là. Un bloc à 4, deux cartons craft de 2 mm, des die cuts, des coins, 4 coins exactement, des mots en bois et des feuilles déco, un die, des fleurs, une découpe bois et un ruban d'un mètre. Et donc les 5 tutos. Waouh! Alors, déjà le ruban, j'aime beaucoup. On peut voir donc qu'il y a les coins, les petites fleurs, le ruban, les découpes bois. Voilà, je vous montre ici. Hein. Les petits coins bronze. Donc, très, très chouette. Là, il y a une petite embellissement métallique. Je vais pas l'ouvrir, mais voilà. Des petits éphéméras, donc des die-cuts, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà. Il y a 34 pièces, un petit die, qui est assez sympa, je dois dire. Ça, c'est le bloc de papier superbe. Lace Dream, c'est des dentelles, hein. J'aime beaucoup, papier vintage. Alors, ah super, ça c'est un calque. Très chouette, regardez. J'aime beaucoup. Donc, c'est un papier parchemin. Hein, donc, ils appellent ça comme ça, mais c'est plutôt un... Voilà, donc là, on a des feuilles blanches. Et on a vraiment un... super carton, c'est à mon avis du 5 mm dans la box. Donc franchement, pas déçu du tout. Ça vous permet de découvrir d'autres collections et d'avoir la surprise tous les mois. Moi, j'aime bien ça. Ce qui est sympa, c'est que là, j'ai aucun doublon, vraiment. Et j'adore. Et les fleurs sont très belles aussi, honnêtement. Pourtant, j'en ai plein, hein, mais... Je vais l'ouvrir comme ça. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Hop là, voilà. Regardez-moi ces petites fleurs. Elles sont trop mignonnes. Regardez. Elles sont vraiment jolies. Celle-là, elle est superbe. C'est une belle qualité de matière. Vous savez, c'est pas du bête papier. Vraiment très, très joli. Là, il y a un petit mot. Love. Le petit embellissement qui est très joli. Voilà. Je vais remettre dans le sachet pour ne rien perdre. Donc la découpe bois. Une feuille. Toutes les petites fleurs. Et alors les coins. Hein, donc c'est 4 coins.
bronze, c'est les coins classiques, mais très bien parce qu'ils sont pas trop petits non plus. Donc vous savez facilement les utiliser. Et alors ce magnifique ruban qui est superbe, regardez-moi ça. Donc il y a bien un mètre, hein, voilà. Moi j'aime bien ces rubans. Je trouve que on voit que c'est qualitatif. Hein, c'est vraiment un beau ruban. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette box vous plaît. Vous pouvez vous abonner hein, sans aucun souci. Je vous mets toutes les infos de chez Scrap Nini, du groupe Facebook, etc. où vous pouvez commander. Bien évidemment, si vous avez besoin d'infos, ben vous pouvez lui dire vous venez de ma part. C'est toujours sympa. J'ai pas de commission, j'ai rien du tout, mais c'est toujours sympa de savoir d'où vous venez en fait. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo démo tuto sur les ateliers de scène. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend.